Il y a deux types d'informations dans ce MacBook. Tous les emails étaient signés cryptographiquement. Je ne joue pas sur les détails de cette technologie, mais toujours est-il que ça permet à n'importe quel spécialiste cyber d'authentifier l'ensemble des emails d'Hunter Biden en 5 minutes, sans l'ombre d'un doute. Et donc, cette fake news, c'était potentiellement crédible, d'un point de vue technique. On pouvait se poser la question sur tout le contenu du disque dur de Hunter Biden, sauf sur les mails. Les mails, il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Et donc, ce déferlement de non, c'est des fake news, était un demi-mensonge, demi-vérité. C'est-à-dire qu'ils auraient dû, s'ils avaient été honnêtes, dire les emails, il n'y a aucun doute, c'est authentique. Et tout ce qui est dans les emails concernant les affaires d'Hunter Biden avec des oligarques ukrainiens, les affaires d'Hunter Biden avec des milliardaires chinois, des affaires qui sont vraiment de l'ordre du business, où on s'aperçoit qu'Hunter Biden, bien que fonctionnant au crack matin, midi et soir, a quand même des revenus d'un avocat d'affaires de très très haut niveau, et on se demande pourquoi on le paye si ce n'est pour être le fils de son père. Et évidemment, c'est pour être le fils de son père. Et évidemment, on a trouvé des interventions du père, et en tant que vice-président, et en tant que président, auprès du gouvernement ukrainien pour arranger les affaires du piston. Donc on est sur une affaire qui finalement est tristement banale, hein. On en a quasiment toutes les semaines en France, des comme ça. Sans la version putécrac, mais on a des affaires comme ça en France, en veux-tu en voilà. Et tout ça a effectivement été qualifié de fake news, parce qu'on était à 3 semaines des présidentielles américaines. Pour peser directement sur le scrutin, pour protéger Biden, sans ambiguïté. Pour protéger Biden, il n'y a aucun doute là-dessus.